La Green Zone de Bagdad, un périmètre hautement sécurisé au cœur de la capitale irakienne et qui abrite des ambassades et les institutions du pays. C'est pourtant là qu'ont réussi à pénétrer des dizaines de manifestants ce vendredi, tous partisans du chef religieux chiite Muqtada Sadr. Certains ont même réussi à entrer dans les bureaux du premier ministre irakien. Ils nous ont tiré dessus avec des grenades lacrymogènes, des balles et des grenades assourdissantes. C'est très dur. Un couvre-feu a été déclaré, les autorités voulant éviter à tout prix toute tentative de coup d'État. Ce n'est pas la première fois que les manifestants chiites tentent de prendre le contrôle de la zone verte, officiellement pour protester contre l'incapacité de la classe politique à s'accorder sur un nouveau gouvernement dont l'Irak est toujours dépourvu.